Hello, ça y est, ça revlogue. C'est fou le vlog en ce moment. Je vous pose là, on discute 2 minutes, ça vous va? Aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est full école. Comme vous avez pu l'entendre dans le vlog précédent, vu que vous suivez absolument tous mes vlogs. Donc je me suis dit, en vrai, why not pas faire un vlog? Parce que c'est sympa. C'est la seule semaine où il y aura ça de l'année. Ça commencerait bien parce que du coup, ce matin, j'ai pas eu cours. J'ai fait mon ménage, je suis allée faire des courses. Et en fait, je me suis dit que j'allais commencer ce vlog comme ça, pendant que je suis en train de faire à manger. Histoire de un petit peu mettre un contexte sur tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, je suis un peu revenue comme une fleur, mais on sait pas quoi, comment, pourquoi, où. Enfin bref. Là, je rentre en 5e année à l'ISCOM Strasbourg, donc dernière année. Alors attendez, je retourne mes cordons bleus, j'arrive, hein. Oh là là, ça crépite. Ok, je suis actuellement en alternance puisque la 5e année est en full alternance. Je suis du coup au même endroit où j'ai fait mon stage l'année dernière, à la région Grand Est. Je suis très contente d'être restée là-bas. Enfin, j'ai pensé en fait à faire un vlog 24 heures dans la peau d'une chargée de com à la région Grand Est. Mais faut que j'en parle parce que je suis pas sûre que ça passe. Et quand bien même moi je suis vraiment sur le plan territorial et pas politique, il faut quand même que j'ai l'autorisation de faire ça. Pourquoi pas? Du coup, ce matin, je me suis occupée de l'appart. Cet après-midi, on a cours, on a neurosciences. On va voir ce que ça donne. Et ce soir, je vais à la danse. Je suis trop hâte. Je reprends la danse. Ça y est, c'est officiel. Ça fait des mois que j'y pense, je suis trop contente. Et voilà, écoutez là du coup, je vais manger et puis on se retrouve en cours, je pense. Je ne peux pas toujours faire confiance à mes sens. Ah, j'aime bien celle-ci. Votre nom, s'il vous plaît? Jules Gauthier. Et vous? Elles nous permettent de réagir à des situations dangereuses, un prédateur, aliments toxiques, selon l'environnement. Bon, la journée de cours est terminée. Ben, on a vraiment eu un cours. Enfin, j'ai pas trop compris le rapport avec la com, mais bon. Et là, j'ai trop hâte parce que dans un quart d'heure, on part à la danse. Ah! Je vous emmène avec moi à la danse avec Perrine. Et nous, tu marches toujours comme ça. Bon les gars, c'est hyper galère de filmer en cours. J'espère que vous ne entendrez pas rigueur, mais c'est trop chaud. C'est la journée. On va tous perdre une jambe. Je profite de la pause pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une salle de cours. Voilà, bon je pense qu'on avait déjà vu, mais écoutez. Il y a souvent un lien entre l'importance de l'apparence physique et une situation économiquement instable de paupérisation. Mathilde, la reine mère, qui m'offre un crunch. Parce que je suis trop pauvre pour en acheter un. Bon, c'est parti pour le deuxième cours de la journée. C'est quoi le cours de cet après-midi? Ethnologie. Et sociaux de l'éthique. C'est la même. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai réussi à filmer un peu sur mes genoux pour montrer un peu comment c'est les cours, mais c'est pas évident. Je passe le vlog. Bah, coucou tout le monde. On allait faire le vlog, mais du coup, attends, on allait faire le vlog, mais du coup, c'est l'heure du biréal, donc voilà. Les filles viennent de partir, du coup bah moi je vais commencer à me faire à manger. En attendant je vais faire un petit récap de aujourd'hui. Aujourd'hui on a eu genre 7 heures de cours avec le même prof. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est quand même assez spécial, enfin c'est genre j'ai l'impression que cette journée était une boucle temporelle. Genre j'ai pas l'impression qu'il y a une journée qui s'est passée. J'ai phasé un peu genre parce que je suis arrivée le soir, j'étais en mode... Du coup là le cours il a fait toute la journée, genre c'est vraiment chaud. Ce soir c'est soirée tranquille. Bah écoutez, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Si jamais ça vous intéresse, ce soir, je me fais ma comfort food. De la soupe à la tomate et des mozza sticks. C'est la seule info que vous aurez de moi ce soir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est parti pour une nouvelle journée de cours. On commence par leadership et management éthique. J'ai hâte de voir comment ça va être parce que je connais ni la matière ni l'intervenant. J'espère, par contre, qu'il y aura un peu de notion de com. Parce que j'aimerais bien en avoir vu que je suis en école de com. Mais bon, bref, on va voir tout ça.
On doit faire un jeu de rôle où on doit faire notre management complètement opposé à nous. Par exemple, Perrine va devoir faire un style directif. Moi, je vais devoir faire des délégués directifs aussi et explicatifs. Pour toi, déléguer ou diriger ? Je sais pas. Vous pensez que c'est quoi le plus dur pour moi ? De diriger ou de déléguer ? Je dirais de déléguer. Ok, bon. Ok. Bon, vas-y, Perrine. J'ai envie de te voir à l'acte. Ok, attends, je mets un chrono. Pendant 5 minutes. Moins de 5 minutes, même pas. Bah, vas-y, on met 4 alors. Il en reste 10 là. 2, 1, tout. En vrai, ça arrive bien. C'est hein. Super bien. Oui, là. Tu essaies de faire un directif ? Oui. C'est pas évident, hein ? Ouais. L'intervenante était trop mimi, trop sympa. Enfin, on l'a toute adorée. Humainement parlant, elle est incroyable. Et elle a vu que je faisais un vlog et elle voulait apparaître dedans. Mais moi, ça m'a gênée parce que je savais pas comment la filmer. La volonté y était, mais du coup, voilà, je fais cette aparté pour l'inclure dans le vlog. Voilà, si jamais elle voit ce vlog. Là, on est en pause, du coup. On va chercher à manger. Et voilà. Bisous. Bon, on est sortis de cours. Et maintenant, nous allons au fatiguer. L'intervention m'a tout faille. Mais excitée d'aller voir le film. Oui, du coup, ouais, on va voir un film. Jamais plus. Ça s'est organisé hier soir, donc c'est trop cool, quoi. Nous y allons gaiement, et puis c'est parti pour une petite soirée. Ma foi, des plus sympathiques. On a 3 heures de cours, de 9h à midi, avec un prof qu'on a déjà eu l'année dernière, sur une matière qu'on a déjà eu l'année dernière. En tout cas, pendant ces 3 heures-là, on n'a pas le droit à l'ordinateur, ni au téléphone. On a le droit que à écrire sur un carnet. Et franchement, c'est mi-relou, mi-bien, parce qu'en vrai, ça permet de faire quand même pas mal de choses à côté quant à l'ordinateur et ça n'empêche pas d'écouter, hein, parce qu'on sait faire deux choses à la fois. Mais en même temps, c'est trop bien parce que ça permet de déconnecter complètement. Et c'est le seul cours de la journée. Parce qu'après, on a des trucs à faire en e-learning distance, mais en gros, bah, tu les fais quand tu veux, quoi. Genre, ils mettent les créneaux pour dire qu'ils sont là, mais tu peux très bien les faire d'un coup ou genre les faire le soir ou le week-end. Donc voilà, donc pour ma part, ce sera plutôt le week-end. Voilà, voilà. Bon, les cours sont finis. Je me dépêche, je rentre chez moi, j'ai 10 minutes. Après, j'ai un rendez-vous. Donc voilà, toi. Ah oui, et d'ailleurs, le cours qu'on a eu ce matin, du coup, bah je mange mon seum en fait. Parce que c'est vraiment genre copier-coller le même cours que l'année dernière. À la citation près. Donc vraiment, enfin ça me saoule par contre. Passer 4 heures ou 3 heures dans un cours qui est le copier-coller de la présentation de l'année dernière, enfin ça me tend. Mais bon. C'est pas grave. Faudrait que je compare mes notes de l'année dernière avec celles de cette année. I'm back. C'est clairement la fin de la journée. J'ai clairement limite oublié le vlog. Je suis actuellement avec Miss Perrine. On passe aux choses sérieuses. On nous voit dans la pénombre. On va faire une coloration, décoloration, on fait tout, la totale. Donc let's go. Viens, on fait une transition cheveux. Ah oui, vas-y. Ok, bah attends, tourne la tête, la couleur de base, et maintenant, 1, 2, 3, transition. J'ai un nouveau matelas. Oula. Putain, mais t'arrives à le porter toute seule, quoi, truc de ouf. Oh, pour mettre... Pour mettre un contexte, on est en phase de pré-décoloration de cheveux et en fait mon matelas est très fin et très nul, je sens les lattes et tout. En fait j'ai appris par le gars qui est venu tout à l'heure qu'ils auraient dû changer mon matelas devant mes yeux quand je suis arrivée dans l'appart. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mon matelas n'a jamais été changé. Et du coup bah, j'ai demandé un matelas et ils avaient en stock. Après nous sommes en pleine installation de matelas. Du coup il a je sais pas quel âge, ça me dégue. Bah on sent plus les lattes quoi. Oh, de ouf. Oh, je vais enfin bien dormir après 2 ans. Oh, je suis émue là. Attends, mais c'est là que je me rends compte que ma tête est vraiment nulle en fait. Ouais. En plus, du coup, ça fait 3 minutes qu'on filme, donc c'est bon, on peut poser la décolo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on commence à 11h. C'est pas vraiment un cours parce qu'apparemment, c'est juste. Enfin, c'est marqué que c'était juste une conférence. Donc, on n'a pas vraiment cours aujourd'hui.
Je vais un peu faire prep my future. C'est le truc d'e-learning là en anglais. Là il est 10h, on commence dans une heure. Donc je vais faire je pense une petite demi-heure, un truc comme ça. Après on retrouve Perrine pour vous montrer ses cheveux. Moi aussi du coup j'ai fait une petite dinguerie. Enfin vraiment rien de fou, mais en gros j'ai décoloré une mèche en dessous. J'avais déjà fait ça en 2020 et j'avais trop aimé. Sauf qu'en fait j'ai encore là une colo brune qui avait du mal à décolorer. Donc ce matin je suis allée racheter du décolorant. Ce soir je refais des colos plus patine. Que ce soit bien blond, bien blanc. Moi cette fois-ci j'étais chargée de communication. Et l'année suivante, ma dernière année de master, j'ai travaillé pour deux startups. On vient de finir la conférence. C'était avec l'agence Good Soup. C'est genre pas vraiment une agence, c'est plus un collectif d'auto-entrepreneurs. J'ai adoré leur DA. Voilà, du coup, je balance ici. Good Soup, allez voir partout. Bon, j'aurais pas beaucoup d'impact, mais je sais pas. Mélange événementiel, photographie et com. Donc, je kiffe. Voilà, et c'est avec eux qu'on a meilleure transition possible. Le shooting cet après-midi. En gros, l'école nous a organisé des sessions shooting photo pour pouvoir faire des photos un peu plus pro. Et du coup, on va faire ça tout à l'heure avec eux en plus. Donc, je suis trop contente. Et puis voilà, hello! Et donc maintenant, on va manger. Hey, little darling. Regardez-moi la star et la maman de la star. La maman d'Oslo. Mais tu es belle. Elle sourit à la caméra. Oui, elle n'est pas du tout sociable d'habitude. Là, elle est vraiment venue me voir. Et je suis encore étonnée. Hein. Oui, bon, pas trop vite quand même, tout de même. Je suis pudique. Je pense que c'est pour montrer son... Mais tu es une sacrée beauté, toi. Non, mais la beauté... Ça fait très Pinterest, là. Mais après, un petit...